Du coup, rebonjour à tous pour ce début d'épisode 2 de Helix saison 18. On va essayer... Oh la magnifique! De l'or là-haut. Je savais bien que j'avais vu quelque chose. C'est quand j'ai tourné la tête, j'ai vu de l'or. Du coup, on commence à miner tranquillou. Je vais sûrement partir au Nether assez rapidement. J'espère juste pas tomber sur quelqu'un parce qu'on me fight épisode 2, c'est pas le top. Surtout que j'ai peut-être pas d'enchant quoi. Enfin, on va voir. Je vais essayer de faire cette crevasse. Et puis bon, faut voir. Parce que ouais, c'est vrai que putain, je pensais pas. L'épisode est passé vite quoi. Ou alors c'est juste que j'ai perdu du temps. Cool, Rush Nether c'est un peu mort en fait. J'ai même pas pris de sable, putain, je suis débile. Ouais, mais on ira prendre le portail dehors. On ira prendre le portail dehors, je sais où il est. On ressortira, on ira prendre là-bas. Je vais me casser la tête. Du coup, on va se faire vite une petite épée. Ah, et Degré qui est le premier à trouver des diams. Enfin, le premier à avoir l'achievement des diams. On va se tirer de là, on va acheter ça, j'ai mon oreille qui siffle, c'est parfait. Du coup, si vous n'avez pas suivi l'épisode 1, j'ai trouvé une jungle avec du melon, étonnant d'ailleurs qu'il y avait une jungle, pour de la redstone, parce qu'apparemment on m'a dit qu'il faut toujours miner la redstone, peut-être qu'il y a du diams derrière et tout. Genre c'est Bombi qui m'a dit ça, alors du coup, non c'est peut-être pas Bombi en fait, je sais plus. Bref, Bombi m'a dit ça, du coup je vais suivre ses... Quelqu'un m'a dit ça, du coup je vais suivre ses conseils. Je suis un petit peu stressé, hein, parce que ça fait longtemps que... j'attendais de faire cette saison, cette vraie saison cette fois-ci. Je suis un petit peu stressé de savoir si ça va bien se passer ou non. Qu'est-ce qu'on a par là? Y'a rien derrière ça. On va éviter de faire du illegal mining. Ah ok, donc ça, ça a broc, c'est parfait. On va refaire cuire vite fait. En plus, il m'en faut juste un pour refaire une pioche, il m'en faut 7. Et après, ah, ça peut être sympa ça. Après, j'aimerais bien trouver de quoi faire des enchantes parce que 21 books. 21 livres, on peut monter en sharp 3 et tout. C'est un peu la merde là par contre. Je vous avouerai. Faudrait que je trouve. Parfait. Je disais, faudrait que je trouve du diams avant de. Roller Coaster, oui. Faudrait que je trouve du diams avant de. Ok, nickel. Avant de prendre du fer. Oh putain, par contre, le lag. J'aime pas ça. Nice. GG. Bon bah, GG contre l'homme. Ça faisait longtemps qu'il avait pas fait de saison. Ce qui est ouf, c'est que. Contre l'homme, pardon. Dans la saison fake qu'on fait, il fait une putain de saison. Et dans la vraie saison, c'est tout le temps comme ça. Il fait 0 kill. Et il meurt comme ça, rapidement, par PVE. Bon bah, notre cher ami contrôle M. Hein. Par contre, faudrait qu'ils meurent pas tous en PVE, moi j'aimerais bien faire du kill. Spoil en UHC 3 jours. Bonne 3 jours, ah, c'est ça. Quand, alors, bon du coup, on a du temps, ça en a combien? J'ai même pas fait gaffe. 5, c'est parfait pour faire une table d'enchant. On va essayer de finir stocké vite fait, cette crevasse. On va faire des enchantes et on se casse Nether. On se casse Nether parce que j'ai la possibilité d'avoir des potions de soins, c'est pas tous les jours. Donc si j'arrive à les faire... Ça sert à rien. Ça sert à rien de PVP maintenant, clairement. Enfin, je veux dire, si tu PVP maintenant, tu vas juste perdre de la vie pour rien et ça va ruiner la saison à quelqu'un. Non, c'est absolument aucune utilité. C'est pour ça qu'à l'époque on mettait PVP 3 aussi. Du coup, y'a rien, y'a une cave là-haut. Ah, ça continue par là. Je sens des squelettes. C'est de voir. Encore de l'or, putain, nice. Bon, moi ça m'a l'air pas mal. J'ai combien d'or du coup? Oh, j'ai masse. Ah ouais, attendez, je sais ce qu'on va faire. Pendant qu'on est là, on va essayer de rester autour, essayer de trouver encore de l'or s'il y a. Putain, par contre, j'aime pas les frises comme ça. Pour pas avoir besoin de reminer plus tard. Oh là 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 là, nice. Oh nice quoi. Putain, excellent. Oh, on a plein. 11 diams. Putain, je suis content. Là-bas, de la redstone. Prendre de la redstone. J'ai de la redstone, j'ai combien de redstone? Ah non, j'ai jeté ma redstone, merde. Qu'on va la prendre pour les potes. Oh putain, j'ai pas pris de sable. Heureusement qu'on va ressortir. Il va falloir qu'on se dépêche. Là, pour le coup, ça va être la course. Ça va être la course. Qu'est-ce qu'on a par là? Un squelette. On le rush. Nice. Encore de l'or par là. Hop là. Nice, du coup on continue. Oh, c'est quoi? Oh, c'est un mineshaft.
Oh nice. Oh nice, en coffre. De l'or, des Molten Seeds. Bon, j'en ai déjà, donc les Molten Seeds, c'est pas... Yes! Ah, ça commence tellement bien, les gars. Mais c'est rare que je trouve du diams comme ça dans un RR. Mais en ce moment, avec Elix, j'ai de la chance. Parce que la saison d'avant, je trouve le Stronghold. Cette saison, je trouve un peu de diams. Bon, que 11, c'est sûr, mais bon, il y en a certains qui vont être full diams, ça c'est sûr. Après, moi, bon, j'ai pas tout le temps de la chance niveau diamant. Salut toi! Oh merde, il est pas mort. Je pensais qu'il allait mourir. Bon, on va le laisser tranquille. On va juste prendre plus de fil. Pour pouvoir faire du. Du P, 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 beaucoup de. Beaucoup de P. Du P3, P4, ça serait cool. Par là. Ok, y a rien. On va essayer d'explorer tout ce mineshaft. Et on va se tirer Nether. Y a quelque chose là-haut? Y a un creeper. Merde, je vais taper avec l'arc, ça va pas le faire. Faudrait que je finisse mon stuff en fait. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va faire autre chose par contre, pour le stuff. Parce que, en fait, j'ai pas envie de récup le fer dans les fours pour pas avoir l'achievement. Donc, déjà, attendez, parce que j'ai. Déjà, je vais faire une pioche. Parce que, déjà, je vais faire l'enchant, ça c'est sûr, avant d'aller au Nether. Nether, on ira au prochain épisode, je pense. Ou fin de cette ep là. Déjà, on fait ça. Bon, j'ai 6 diams en rab. Qu'est-ce qu'on fait avec 6 diams? Je pense que je vais attendre peut-être pour avoir, pourquoi pas, un pantalon. Pourquoi pas, ça peut être cool. Du coup, ça, on jette. J'ai entendu un bruit de pas. Juste faire gaffe qu'il n'y ait pas un mob qui arrive par derrière. Ça, tu dégages, l'andésite, la cobble. On prend là. Ça dégage, ça dégage. Le poulet, tu dégages. Ça, tu dégages. J'ai de la bouffe. De toute façon, on la fera cuire plus tard. Le gravier, j'en ai beaucoup trop. Voilà, c'est pas mal. Attendez. Oh, je suis. Je suis bloqué à l'achievement du four. Nice! Excellent. Je suis bloqué à l'achievement du four. Bon, bah, je peux prendre le fer du coup. Ouais, parce qu'en fait, j'ai pris le fer. Et j'ai eu peur d'avoir l'achievement. Parce qu'imaginez, je retrouve du diams. On est à quelle couche là? Ah, ouais, on est beaucoup trop haut en fait. D'accord, on est beaucoup trop haut. Oh putain, y'a tout le monde qui a perdu de la vie. Bombi, il est mal. MSB, il est encore plus mal. En fait, je me suis dit, ouais, imaginez, je retrouve du diams. Bon, là, ça va être un petit peu. Improbable vu la couche à laquelle je suis. J'ai même pas fait gaffe à la couche, ouais, du coup c'est mort là. On va se tirer. Peut-être retrouver un peu plus d'or, ça serait cool de trouver encore de l'or en fait. Parce que si je retrouve de l'or, on peut éventuellement faire plus de potions que ça. Bon, après je vais pas me stuffer pendant 15 ans, mais j'aurai 5, je vais attaquer. C'est un petit peu mon plan. Alors j'entends des araignées, il y a un coffre là-bas. Coffre là aussi. Rien. Pour l'instant, pas de choses intéressantes dans les coffres. Bon, du fer, c'est tout. Rien de bien intéressant non plus. Ok. B-zombie. Ouais. Alors ça descend un peu par là. Je vais peut-être aller check un coup, vite fait. Oh là là! On va se calmer. Alors vous savez quoi, on va pas prendre de risque parce que là j'ai pas envie de prendre des dégâts inutilement. Est-ce qu'il aurait le loot? Ça serait le comble. Non, il a pas le loot. Bon, voilà, on s'est fait. Je vais prendre un peu plus de fer aussi. Putain, de l'or du coup c'est cool. Combien? 4. On a combien d'or là? 34, 35, 36 du coup. 37 au total. Donc on a les deux d'or en plus qui sont déjà cuits. Bon du coup, hein, je vais pas parler de tout ça, etc. Mais j'espère que ceux qui ont passé des examens, que pour ceux qui ont passé des examens, tout ça a bien passé. Donc oui, moi j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, mais bon, je vais pas en reparler vite fait. Donc ouais, j'avais fait une vidéo spéciale en mai pour dire que j'allais moins faire de vidéos et que j'allais me concentrer un peu sur mon bac parce que c'était pas sûr que je l'ai vu comment je galérais dans l'année. Au final, voilà, ça a payé puisque je l'ai eu. Mention assez bien. Il y a une witch, putain. Allez, on la rush. Peut-être une pote, ce serait cool. Un œil d'araignée pour peut-être tenter des potes de poison, pourquoi pas. Alors du coup on est quand même bien redescendu là. Je veux dire, là ça remonte, peut-être de l'or par ici. De l'or, voilà, nickel. Suffit d'en demander.
Encore de l'or. Eh, c'est la folie au niveau de l'or là. J'ai pas augmenté les minerais pourtant. J'ai rien changé sur les minerais normalement. Ils sont tous pareils. Ah, par contre, ce qui est marrant là, c'est que. C'est quoi ça? Encore un creeper. Putain, encore de l'or à côté, les gars. What? Ce qui est marrant, c'est qu'en team, je trouve beaucoup de minerais. En FFA, je trouve rien. C'est pour ça que je préfère en général les teams, parce que je suis plus chanceux aussi. Et là, c'est l'inverse. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Tant mieux. Hop. Dans ce cas, on va reprendre de ça. Je suis en quel cohort d'ailleurs? Moins 160 000. Pas que je pense à couper le rec à la fin de cet épisode. Vous m'y ferez penser, n'est-ce pas? Mettez-moi dans le commentaire. Guil, coupe ton rec. La fin de l'épisode. Alors du coup, on va faire cuire tout ça. On va faire cuire de la bouffe. Putain, 42 d'or les mecs. Et c'est pas fini. Vous savez, comme la pub pour SFR qu'il y avait un moment. Bon, du coup, ça me fait plaisir d'avoir... Alors attendez 2 secondes s'il vous plaît, je dois FK. Voilà, excusez-moi, désolé, un petit problème. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on tourne ça, il est assez tard, donc j'ai quelqu'un qui est venu dans ma chambre intervenir. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Surtout que là, c'était pour quelque chose d'important, donc j'ai dû FK 2 secondes, désolé. Je sais plus de quoi je parlais. Bon, c'est pas grave, on va faire une road, puisque évidemment, c'est pas roadless. Bon, durée combien? FedEp 5. Déjà... Mais il faut écouter les règles, par contre, quand je parle dans les règles. Voilà, faut écouter les règles. Du coup, j'ai encore une table de craft, c'est bon. OKT qui trouve du diams. Ouais, du coup, putain, je suis grave pire au niveau des diamants là. Je suis pas sûr qu'on va faire des kills du coup. Après, il y a de très bons joueurs donc bon, on va voir comment ça va se passer. Mais alors là, ça continue par là. Peut-être encore de l'or. Peut-être pas d'ailleurs. Bah, si, encore de l'or, parfait. Bah... La rue est vers l'or, j'ai envie de vous dire. Ça sera le titre de l'épisode, je pense. Excellent quoi, mais les gars, je vais avoir plus d'un stack d'or bientôt. Je crois qu'on va finir cette cave. Cette cave est trop énorme, il y a trop d'or dedans. On va finir la cave et on ira Nether après. I'm sorry, mais là je ne peux pas laisser autant d'or que ça. Ramène-toi. Bon, là on prend pas de risque parce que j'ai déjà perdu un demi-cœur connement. Grave, on s'en tape, on est d'accord. Allez, on s'en tape. Alors, j'ai pas beaucoup de flèches par contre. Bombi est toujours à 5 coeurs. MSB est toujours à 4. Shadoon est à combien? Shadoon est à moins 3 coeurs. Shadoon est à 450 de ping. Oh putain. J'espère que ça va aller pour lui. Bon bah voilà, c'est pas dégueu. Tu peux pas avoir un peu plus de diams par là? Ah bah on est trop haut, putain. Putain, je suis remonté. Je vais revoir dans l'autre cave en face. Attendez, y'a quoi là? Est-ce qu'on a pas de l'or en face? Non, 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 pas d'or, ok. Bon, on se tire. Putain, c'est compliqué de commenter en étant solo. Je vous l'assure. Je suis habitué à faire des RR en multi, donc... Merde. C'est sûr que quand tu en fais en solo, des fois, c'est bizarre, hein, ça fait bizarre. Cookie qui fait une épée, peut-être une épée en diams. On peut pas savoir. Du coup, par là, c'est là d'où je viens, je suppose. Oui, enfin, c'est là où j'étais. On va recontinuer par là parce que ça redescend en fait, c'est ça qui est cool. Voilà, je vais explorer l'autre côté maintenant. Si ça continue. Là, y'a quoi? Oh, ça remonte, ok. En plus, c'est des creepers qui spawnent donc c'est cool. Steve qui fait une table de craft. Qu'est-ce qu'on a par là? Ça a l'air de remonter un peu. Peut-être de l'or, mais. Ok, d'accord, bon, je vais prendre des dégâts, désolé.
Eh ben, au final j'ai pas pris de dégâts. Enfin j'ai dû prendre un demi-cœur mais ça s'affiche même pas. Bon, encore du diamant, encore de l'or. Putain, excellent. Ça redescend, nice. Encore, oh là 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 là. Oh putain, mais oh, c'est un filon de 8. Oh, c'est un filon de 8. Bon, les gars. Cette saison commence vraiment super bien. 16 diamants. Oh putain, encore de l'or. Honnêtement, j'ai flippé. Oh, j'ai flippé. Honnêtement, je pense que c'est mon meilleur départ en nuage. C'est bon, écoutez, on va prendre l'Opsy tant qu'on y est. Oui, Brickeon, lisez le chat. On va faire cuire tout ça. Hop, hop. On peut même séparer. On peut même séparer ça en 6. Ouais, bon, dans tous les cas, ça changera rien, mais il faudra 2 charbons pour chaque. Donc c'est parti, on fait cuire tout ça. J'ai plus de charbon. Bon bah toujours pas de PVP, hein, ça paraît logique. Bombi toujours pas remonté. Ravenous 3 coeurs, enfin 2 coeurs et demi. Oh là là, Ravenous. Bon, on va s'enchanter. Allez, j'ai pas assez de fer évidemment. On va en prendre puisqu'on est là. J'y pense jamais à prendre assez de fer pour faire des enclumes, etc. Donc on va prendre. Et il y a un truc que je voulais tenter aussi. Donc ceux qui ont suivi le live où j'étais avec Foudre il y a pas longtemps le savent. Mais je voudrais bien faire un. Comment on appelle ça? Un golem de fer une fois pour tester. Je pense que ça pourrait être sympa. Faudrait qu'on teste. Alors, bon du coup, on va mettre du bois à la fin parce que j'ai la flemme d'attendre. Voilà, parfait. Du coup, on va s'enchanter, on va prendre l'opsy, on va boucher ici. Hop! Bah du coup, bah attends, je peux me faire... Avec 14 diamants, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on fait ça. Je garde pour une épée. Excellent, mesdames et messieurs. Attention, parce que ça va commencer. Excellent. Et du coup, je peux me faire une épée aussi. Alors moi, du coup, on va tenter l'épée... On va tenter avec des bouquins l'épée Sharp beaucoup en diams. Voilà, c'est comme je voulais le faire depuis longtemps. Désolé pour ceux qui voulaient que je fasse un plastron, mais... Tout le monde fait des plastrons, donc c'est pas worse. C'est absolument pas worse de faire ça, de faire un plastron là. Parce que si jamais je viens à snowball, tu vois que je drop je drop un plastron sur quelqu'un, bah si j'en ai un en double, ça sert à rien quoi. Donc là, c'est pas worse du tout. Bon bah voilà, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère qu'on va durer longtemps dans cette saison, j'espère qu'on va tomber sur des mecs pas très forts, pas du tout, il n'y en a pas beaucoup de mecs pas très forts, il n'y en a aucun, c'est simple, ils sont tous bons, ils ont tous un talent caché. Le seul qui était nul c'était contrôlé, mais voilà, non pas du tout. Steve a perdu de la vie aussi du coup. Pas fait gaffe, Shadoon qui perd de la vie encore, on va penser à Sneak aussi, du coup j'ai masse d'or, hein. Putain, excellent. 4 apples et un livre. Nice, on a une table d'enchant. Allez, c'est parti. Il faut commencer par enchant ça. Attendez, est-ce que je... Oui, du coup, pas Fire Aspect. Hein. Faut bien que je fasse gaffe à ça. Est-ce que je peux déjà avoir du sharpness? Non. Unbreaking, c'est pas top. Allez, on enchante. Blast Protection, bien sûr. Hein, j'allais te le dire. Tiens. Allez, Protect, c'est parti. Sharpness, est-ce qu'on peut avoir des livres sharpness? Ça serait cool, non. Protect, sharpness, sharpness. Est-ce que je peux encore avoir sharpness? Peut-être sharpness, putain. C'est bon pour la T3 ça. Ça sent la T3. Proch prod, vas-y go. Protect. Ça s'en fout. Ok. Donc là il me faut... Oh putain, on va se faire une T3. Fin d'épisode 2. Ok, on se retrouve les amis dans l'épisode 3 dans 2 jours. Salut, bye bye tout le monde.